Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. L'honneur respect tout le monde, c'est avec la même satisfaction que nous sommes pour Tendance Hebdo, premier numéro nous pour mois octobre 2014 là. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment avec divers invités, nous dialoguer dans la rubrique Tendance chaque semaine. Semaine ça, dans la rubrique Tendance, nous te recevons plusieurs personnalités. Nous te recevons secrétaire d'État aux affaires étrangères, Henri Robert Sterlin. Avec lui, nous te parlons divers dossiers, tant que prestations, chef l'État dans l'ONU. Nous te parlons tout, 30 septembre, 23 ans après coup d'État, qui ça, date ça, t'a dit pour un pile haïtien. Nous te dialoguons tout avec Dr. Schiller Louis-Dor, qui est un membre directoire Famille Lavalas. Nous te parlons avec lui sous manifestation Famille Lavalas, qui est organisée dans la date 30 septembre. Nous te dialoguer toutes questions politiques avec sénateur Pierre-Francky Exius qui c'est youn dans sénateur bloc 6 là. Nous te dialoguer tout avec professeur Amari Joseph Noël qui c'est coordonnateur général Confédération de la société civile haïtienne. Nous te dialoguer tout avec madame Olga Benoît qui fait partie Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA puisque SOFA tamen on série mouvement pour yo capable dépénaliser question avortement. Ou ta remè konnen qui ça a été dit dans la rubrique Tendance, red branché Jean Connel là après pause là. Bicha, moi appelle à préparer manger au pire mère. Comment? Ou toujours servir avec tablette ça y toujours? Alors, m'en goûter où moi? Oui! Manger à salé comment? Mais tablette criolito. Si c'est pas inventé avec l'autre tablette qui a salé manger ou qu'on est déjà, Criolito a une qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qu'il fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle a gagné. Et puis, en plus, il y a un bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins celle. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambou pour le pays. Criolito. Dans votre machin, vous tout grossis, li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisit pour faire manger. C'est li celle qui va faire manger. C'est coupé, l'ouette. Assa, Zanjet, Edo. C'est Criolito. Criolito, c'est. Numéro 1. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante, Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, rubrique Tendance Hebdo en détail. Pendant la semaine, ça, nous avons dialogué sous question 30 septembre. 30 septembre 1991, 30 septembre 2014, ça fait 23 l'année. 23 l'année depuis un coup d'état sanglant la guerre en pile famille de Glonanger. Pour commémorer date ça, parti famille Lavalas a organisé une manifestation dans la rue Port-au-Prince côté plusieurs milliers de citoyens ont pris la rue pour venir porter ou bien manifester attachement yo à leader yo qui c'est Jean-Bertrand Aristide. Schiller Louis-Dor a expliqué une raison qui t'a poussé partisan famille Lavalas prend la rue, Schiller Louis-Dor. 23 ans après mes côtés pays,
Et pas oublier, nous prenons deux coups d'État. Mais 30 septembre, non, c'est des milliers de morts, de cadavres. Mm-hmm. Nous dit que plus jamais, il ne doit y avoir un coup d'État dans le pays. Hein. Faut le respect de la Constitution et les lois de la République. Mm-hmm. Nous dit deuxièmement encore, et nous avons un exemple de grande démocratie. Nous pensons que le parti Famille Lavalas doit honorer qu'on y a. Pour qui ça? Pour ça. Mais, moun ki ban nou coup d'État, le président Matéli, c'était un acteur actif dans le coup d'État 98, 91. Non, bon, je vais finir de comprendre. Comment acteur? Président Matéli, c'était l'ami, c'est l'ami de Michel François. Et après le coup d'État de 91, qui continuait dans le bureau. Ah, parce qu'on est tes amis, moun ki ban coup d'État. Je vais expliquer, non. Actif. C'est-à-dire que, qui était dans planifié, c'est un ami. Un bon ami qui n'a bureau chaque jour, qui compte coup d'État, qui planifie coup d'État, et il est même dit qu'il était en répression à travers les rues. Moi, je me suis dit qu'on a fait ninja. Bon, les ninjas de 91, président Matéli était et directeur ninja, président ninja, oui. Président Matéli, c'est un coup d'État, man. Et mais c'est le pouvoir qu'on y a. Alors que nous demandons le respect de la Constitution. Ouais, moi, mais ça m'a demandé. Non, mais je dis à tout nous-mêmes. Nous chita même côté avec monde qui t'ai voyé nous aller en 2004. Je dis à nous chita même côté tout avec des monde qui accusaient des partisans Famille Lavalas comme monde qui moulait papa yo, qui trouvait papa yo. Je dis que dans la vie et pour le bien de ce pays, il faut apprendre à oublier certains nuages qui ont projeté des ombres désagréables. Ah bon? Oui. Ça va veut dire que faut que monde ça oublier, ça veut dire que papa était boulet. Non, pas jamais fait, on connaissait pas vrai. Non, nous pas tourner sur ça. L'histoire de Sylvie. Non, mais l'histoire de Sylvie. Non, Antoine, ça veut dire monde ça oublier question ça. Non, ou qu'on dit monde qui pour pas oublier, c'est monde yo massacré dans coup d'état 30 septembre. On pas d'ici on monde des preuves que la Valasse font bagaille, tu ne dois pas l'oublier et ou même doit chercher justice. Où est nous la Valasse? Nous quoi dans le pardon? On pardon qui pas veut dire impunité. Ça, c'est important, oui. Mais cependant, nous croyons que la société doit harmoniser. Il y a plein de monde qui fait nous mal. Les blessures sont encore là. Les plaies sont béantes jusqu'à présent. Donc, si mais, pardon, ça fait mettre nous ensemble avec les gens qui devraient nous aller. Et puis, nous n'avons pas avancé. Parce que nous croyons nos bagages. Non, qui ça? Donc, ouais, tout le temps, on monde qui a parlé de pays ça. Tout le temps, on monde qui a pardonné pour bien payer ça. Nous, la valance dans ma chavelle. Même les gens qui fait nous mal. Où qu'on combien de mal ils fait nous? Deux coups d'État. Mais ils ont persécuté nous là. Ils veulent tuer nous. Ils voulaient mettre dans la prison, ou contre tout ça, mais malgré ça. Et ce qui est important, j'ai compris que vous avez vu le peuple hier se déambuler à travers les rues, heureux, sans violence. Ah non, on va faire ça. Hier, yeah, oui. Formation pas dire moi le rapport ça. Oui. M'a prendre gain journaliste magnétophone nous craser. Ah, on comme craser. Au contraire, c'est nous qui déo. Voilà, gain moun qui perd du bouche. Non, pas gain moun qui perd du bouche. Non, c'est vrai. Non. Avec ta ma on va parler. Non, pas de responsabilité pour je sais, mais yo deal, même quand Tamara, excuse-moi, ne peut pas vérifier, ne peut pas authentifier mon monde qui perd du bouche. Même quand Tamara a authentifié que gain journaliste parce qu'on fait violence sur nous, gain moun pas nous racher dans yo battre yo coup de bâton la police. En de machine, de manifestation? Oui, après, devant tout près qu'à président. Moi, c'est moi qui mène les gens à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Gen moun, gen journaliste voué, nan voué de l'eau, la police a fait répression qui m'a été au fond mouillé, Radio Zénith et d'autres radios mouillé, perdu, et gen journaliste, c'est nous qui m'a été au fond séché au bout. Ah bon? Yeah, oui. Ça veut dire hier, ça nous avons toujours été sages, Clément. Oui, c'est la police qui bat nous, qui crase les manifestations. Pour Dr. Robert Sterlin, 30 septembre 1991, il y a une autre connotation. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui a fait l'histoire dans la rubrique tendance précisée, aujourd'hui, il y a le temps pour nous penser à commémorer la date de ça, il y a l'autre gens. Henri Robert Sterlin a expliqué. Pour moi, même 30 septembre 1991, c'est l'expression de la méchanceté de l'homme politique haïtien, de politicien, pardon, je ne dis pas l'homme politique, du politicien haïtien. Il y a un paquet de monde. La plupart d'entre eux, ils sont l'autre bord, ils ont été dans des pays divers, D'HIVER, ils ont mis le manteau, ils ont été dans du vrai, ils ont rentré en Haïti, ils ont un appétit de pouvoir. Parce qu'en Haïti, en définitive, la politique c'est quoi? C'est la lutte entre les in et les out. Ça qu'en dedans, et ça qu'il n'y a pas dans l'intérieur encore non. Donc, messieurs, qui ça a vite fait? Ils ont manipulé le peuple là, ils ont fait le peuple là à servir de chair à canon. La chair à canon, ça, une institution qui s'est fait piéger, puisque vous minez le bandit, c'est l'armée.
l'armée gagne une division qui opère en dans scène ou vinn gagne des monde tankou Dani Toussaint ou vinn gagne des monde tankou le même style là qui prend position pour la balance l'armée paye pour casser parce que vous devez dire là tout nèg ça yo la manger yam tout nèg ça yo prend rag bois pour yo parce que pas rien encore yo perdu et grade yo perdu et statut yo perdu et avancement. Donc, yo obligé gagner là-dedans, yo obligé à rentrer dans vieille combinaison, rentrer dans trafic drogue, rentrer dans mauvais coup, tout bagage ça yo. Ce sont des officiers qui se sont déchus eux-mêmes. Maintenant, c'est même monsieur ça yo qui était réfugié dans le camp du populisme alors que gon équation en mathématiques politiques qui dit populisme égale occupation, occupation égale génocide et c'est ça qui veut pays là. Donc, son bande de moun qui a boué avec du feu, et puis yon boule la dani. Méchanceté politicien yon même, c'est que yon fait peuple la servir de chair à canon, yon fait peuple servir fumier pour yon grandir, et puis yon vine gen bel l'argent, yon vine gen bel caille, yon vine gen bel position, et puis peuple la li même il enrage. Peuple la pa jen sorti l'en sacrilé, l'orgade de tout politicien après 86 yon. Trois kaladan yon millionnaire, et qui sa peuple la jouen? Li mouri, qui sa peuple la jouen? Li l'engangou, qui sa peuple la jouen? Li mendiant. Donc qui ça résout pour peuple là depuis coup d'état ça? Li tout en a couru. Après ça il va craser pays al bande ou embargo. Qui ça fait pays a souffrir aujourd'hui là? Tete na dia yo. Donc c'est l'armée qui vient diviser qui baille tout bagage ça de major méda, un paquet de bande qui pas comprendre rien, pas dans rien en tête yo parce que l'armée est une institution qui doit perdurer à travers le temps jusqu'à ce que l'état nation disparaisse et que ou vinn gen monde global là. Bon, monsieur rentré, qui ça gagne? Colonel besoin prend place général, général petit soldat, ou un mouvement petit soldat qui besoin vin général. Donc immédiatement le monde qui a payé l'armée a. Yo dit besoin pas encore et le ministre rentré, qui ça vient arriver et pas le ministre yo dit. Donc 30 septembre, c'est la cruauté de l'homme politique, gon livre la cruauté politique d'ailleurs en sciences politiques et journée aujourd'hui là bon qui gros gens comme devant c'est peuple là parce que même pas ça peuple là je veux l'expérience populiste là non même absolument rien et c'est comme ça partout dans le monde chaque fois que un peuple rentre ou l'entraînade ça yo c'est populisme égale occupation occupation égale génocide yo rentre dans cité soldat yo plein peuple en bas coup de fusil peuple là journée aujourd'hui là il pas même qu'à manger un grain arancel qui est-ce qui la cause peuple à tout, parce que peuple à l'alphabète, il refuse à l'école. Programme politique, économique qui pour permettre que des structures de développement qui pour accepter que gon chenal pour arriver au mieux être, disparaît. Mais peuple à lui-même qui a fait. Il tout vous dit, moun. Nous te recevons dans la rubrique de la semaine, ça, Madame Olga Benoît. Madame Olga Benoît, c'est une membre solidarité femme haïtienne SOFA. SOFA, depuis plusieurs années, a mené une bataille pour dépénaliser question avortement. Dépénaliser question avortement, pas pour bail mesdames yo licence pour faire avortement chaque jour bon Dieu mette. Mais de préférence, il va offrir mesdames yo opportunité pour faire avortement dans un milieu côté santé yo, la prend en compte. Olga Benoît. L'on parle de légaliser avortement, ça pas veut dire ou pas contraindre au monde pour l'obliger à faire avortement. Nous pas de gens accepter on l'état qui pral dit monde pour enceinte faut faire avortement il ne s'agit pas c'est pas salié c'est pas salié qui s'allier qui s'allier étant donné que droit pour une femme prendre décision sous propre col droit pour une femme choisir librement sans contrainte et faire avortement son droit lié et droit ça li entrer dans la en fait beaucoup dans la famille entrer il fait partie des droits et à la santé sexuelle et reproductive qui sont droits humains. Donc, il y a une famille, droits humains. Donc, nous-mêmes, c'est la perspective de droit, ça, droit monde, droit femme, que nous avons mené la bataille. Ça, c'est une. Deuxièmement, qui s'allie? Le fait que l'avortement est pénalisé, nous avons une vaste hypocrisie, en double morale qui a fait sous lui. Ou après, deux mondes qui ont même leur dit, les pieds au mari, ou bien les gêner, soit qui recourent à l'avortement, ou bien qui mener mon al faire avortement on doit c'est même mon ça qui plus farouche défenseur de légalisation avortement mais qui ça non ouais c'est que journée jeudi hein avortement cap fait dans conditions insécuritaires yo li posons problème de santé publique de la mesure où chiffre là et que l'avortement
c'est lui-même qui constitue la troisième cause de mortalité maternelle en Haïti. Nous connaissons que, cause. Ça veut dire que... Et non, troisième cause, ça veut dire que nous avons des chiffres qui oui, oui, donc, nous avons gardé EMUS. EMUS, c'est l'enquête sur la mortalité, la morbidité et l'utilisation des services. Mm-hmm. Depuis EMUS 3, gon chapitre qui consacré justement pour étudier problématique avortement. Dans le dernier EMUS, il dit très clairement, gagner au moins 4% de la population, 4% de femmes, qui ont même entre l'âge 15 à 49 ans, au moins une fois dans la vie, ont recouru avec avortement. Deuxièmement, en fait, je me dis deuxièmement, en fait, on l'autre information encore, mm-hmm. nous voyons que avortement, il y a 7% de femmes entre l'âge et 20, en fait, dans la vingtaine à trentaine mm-hmm. qui recourent avec avortement. Ça, c'est une. Et puis, ça nous constate tout, et ça, sont chiffres que Santé publique baille, mm-hmm. que là, nous regardons la quantité d'avortement qu'a fait. 43% avortement ça ou a fait dans deux conditions qui mettaient la vie famille en danger, ça nous rendait l'avortement à risque mm-hmm. ou bien insécuritaire ou bien insalubre, nous cabal non vle, mais côté qui a fait dans conditions insécuritaires ça yo, il a d'ailleurs en 10 à 50% femmes yo soit yo perdu la vie yo ou bien yo sorti à gros dommage. Donc c'est l'avortement, c'est pas des pour nous faire avortement ou mourir, mm-hmm. mais l'on fait avortement dans des conditions côté que une série de médicaments il apprend mon apprend il prend n'importe dose tout temps que il va arriver à objectif il continue à prendre le monde en livré avec des charlatans le monde en livré avec deux monde comme il connaît et la loi et punir avortement fils ça va prendre qu'un recours il doit faire n'importe pratique sous lui c'est tout ça nous voulons d'une part deuxièmement le fait que l'avortement vienne légaliser a il vienne ouvrir librement le débat, pour, non seulement le débat, mais au moins, il mettait l'État devant responsabilité pour qu'il prenne toutes les mesures pour favoriser l'accès libre, gratuit et sécurité à l'avortement. Nous te recevons tout semaine ça, professeur Amary-Joseph Noël de Charles, et nous te recevons tout sénateur Pierre-Francky Exius, qui est un sénateur bloc 6. Après pause, nous allons montrer comment vous avez dialogué avec nous. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrice. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Là. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, hein, EDH dit pour me dire, dans le jour avec moi qui vini là, yo, n'ab jwenn plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui sommes clients, qui ont compte légal qui installe la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, hein, EDH dit pour me dire tout, pour nous jwenn plus courant, faut nous payer bordo courant nous chaque mois. Bon là, c'est moins qu'à parler avec nous. Courant ou recevoir la caille aussi nous dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, gain l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine yo, avec dans réseau distribution yo. Gain l'argent tout qui mettait dehors pour payer employé et technicien qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. Les l'argent ça pas rentré, pas gain gaz, pas gain entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH ka jeune plus moyen pour ba nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous même tout nous met compter sur EDH.
retourner après pause là, rubrique tendance hebdo, deuxième partie. Nous avons dialogué semaine ça avec sénateur Pierre-Francky Exius. Sénateur Pierre-Francky Exius, c'est un sénateur bloc 6 là. Sénateur Pierre-Francky Exius a expliqué côté l'idée pour mettre campé bloc 6 ça a sorti. Sénateur Exius. Bloc yo, c'est à partir de représentants, c'est-à-dire à partir de partis politiques qui gagnent, par exemple, si nous avons OPL, il y a 4 sénateurs. En dedans, il y a un bloc politique en dedans. Okay. Mais là, on forme un bloc là, il faut aller inscrire dans le bureau. Mm-hmm. Ça veut dire voilà, officiellement, il faut déposer devant le bureau. Et puis, il est inscrit dans le cahier bureau. C'est-à-dire, laisse le bureau qu'on ait un bloc politique, mm-hmm. que le bloc là, il est. Bon, là, bon, non, quand même. Mm-hmm. Maintenant, nous-mêmes, G6, pas un bloc formel, côté Mdadzo, que nous avons écrit le bureau, côté nous formé bloc ça. Mais cependant, après le dialogue, là, jour, bien, même pendant le dialogue, là, mm-hmm. nous avons estimé que Jean, il a mené un dialogue, là, nous voyons que l'Ibral mène un pays à un côté qui n'est pas bon. Laisse nous grouper nous en 6 sénateurs. Et puis nous écrit président Sénat en lettre. Côté nous 6 sénateurs, et puis nous disons que nous pas d'accord, j'ai appelé. Nous disons mais qui préalable, qui doit être fait avant Sénat entre dans le dialogue là. Mm-hmm. Depuis laisse nous, nous mettons nous ensemble. Okay. Mais cependant, nous 6 là, c'est des 6 qui ont même tendance. Ça veut dire que nous avons même, nous partageons même opinion politique, ça veut dire que nous comprenons les bagages même. Bon, là, dans nous avons unité, nous contre le peuple là. Pourquoi pas un fils de nous? Non, nous avons un fils de nous. Non, un fils de nous. À nous garder. Pour le bloc des 6, là nous venons monter, nous écrit président. Je dis qu'il y a des gens qui ont nous un bloc de blocage. Un bloc incontournable. Qui bloque nous à niveau Sénat? Bon, c'est. Parce que moi, je ne vais pas utiliser des kamikazes, extrémistes, Al-Qaïda, parce que ça va dans le jargon. Mais qui ça nous est dans le niveau Sénat? Nous, incontournable, nous son bloc de blocage. Je pense que ce n'est pas une question de bloc de blocage. C'est. Ça rentre dans la tradition pour nous arriver à comprendre le travail parlementaire. Et c'est même pour l'exécutif là tout. L'exécutif là pas en mesure pour arriver chita parler pour comprendre le débat parlementaire. Les deux sont éléments de blocage. Mm-hmm. Même j'ai regardé mon dans la société à tout qui comprennent. Non pas ni un bloc de blocage. Nous c'est un bloc qui en le parlement côté pour nous faire Sénat marcher. Et c'est ça que fait pendant que y a dit nous sont bloc de blocage. Nous les 6 sénateurs de l'opposition Tamara nous toujours présents dans la séance. Non, on des fois chercher nous pas, des fois dans cafétéria, il y a le garder même pas chez nous, pas qu'il nous pas là. Non, pas les 6 sénateurs, les 6 pas jambe balle. Non, pas des fois une balle. Plusieurs fois séance renvoie une balle. M'après-dou. Est-ce que c'est stratégie là? Tamara m'après-dou encore pour l'histoire, pour la vérité, les 6 sénateurs de l'opposition pas jambe balle. Non, ça veut dire là on fait appel là qui a accusé 11 sénateurs, 12 sénateurs côté nous. Pour jambe balle où? Ouais, soit vérifier. Et me toujours dit nous ça comme journaliste. Nous avons vérifié la présence en bas. La présence dans le Sénat, depuis les 20 sénateurs, à nos jours, les sénateurs de l'opposition sont toujours là. Non, c'est bon seulement. Non, pour tous les spectateurs, moi-même, je suis capable de comprendre la question de la présence. Chaque fois que je parle de séance, il y a une demoiselle qui toujours a cité sénateur X, sénateur Y, qui a si une qui est motivée, elle dit qu'elle est motivée. Est-ce que le cas est présent chaque fois que nous parlons de la séance? Non. C'est dans la séance. Vous faites appel là dans la séance, mm-hmm. non? Mais quand vous avez des fois, vous nous pas là? Non, ça dépend. Par exemple, dans le Mexique, vous avez deux appels. Vous avez fait un premier appel. Le premier appel, là, vous avez fait un quorum. Vous avez fait un deuxième appel là. Si vous avez un sénateur dans le premier appel là, qui pas là, sur le deuxième appel là, à l'entrée, vous avez fait appel là, il répond présent. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, ça qui arrive, vous avez fait tous deux appels là. Et puis le sénateur n'est pas là pendant le deuxième appel, là, il vient d'entrer. Non, ça dépend. Le sénateur n'a pas paraît soit en retard. Mm-hmm. Les séances ont commencé. Je vais essayer d'expliquer une seule séance que les sénateurs de l'opposition qui n'ont pas de présent. Mm-hmm. Et c'était voulu. Dialogue, consultation, compromis, c'est une série de mots qui ne bouche en pile monde cette ancienne de société. Ils fait El Rancho, ils fait Best Western, pour qui résultat? Professeur Amari Joseph Noël, qui est coordonnateur char, estime jeudi, pour nouvelle série négociation, ça faut gagner un médiateur. Et si pas gagner médiateur, pas gagner dialogue. C'est ça, professeur Amari Joseph Noël soutenu. Il n'y a qu'à reprocher le dialogue sur tout ça, vous voulez. Mm-hmm. Mais ça a été une réussite nationale. Non, non, pour il y a d'autres problèmes là-dedans. Dans la deuxième partie, nous allons regarder l'aspect à quoi il y a. Mais on se le bagaille, Mabzou. C'est sûr que si nous pas gagner médiateur, nous pas gagner dialogue.
Parce que c'est groupe antagoniste. Ah, si pas de médiateur, pas de dialogue. Si pas de médiateur, pas de dialogue. Mais la ministre a proposé, lui comme médiateur. Hein? La ministre a proposé. Non, mais la ministre, c'est une maladresse de leur part. Il n'y a pas qu'à venir dans le pays, il n'y a pas qu'à payer de nous, il y a fait toutes les autres. Non, hein? Mais si pas de médiateur, pas de dialogue, professeur Noël. Non, ça si pas de médiateur, pas de dialogue. Et puis, oubliez tout ça, en fait de dialogue, la méthodologie est le résultat. Qu'est-ce que ça fait mettre la méthodologie en place? Qu'est-ce que ça fait? Non, il y a une équipe de, premièrement, depuis qu'ils ont choisi médiateur, là, par exemple, il y a 9 membres de la médiation, plus médiateur expert, Chibilangwa, il y a concerté pour qui monde qui a aidé, élaborer une méthodologie idoine pour que ça soit fait, il bien ficelé dès le départ. Parce que bon, bon, parle en pile qui fait après dialogue, il y a grand choix. C'est vrai que tu as fait à huis clos. Mon patron c'est assorti par la presse information peuple par contre ça qui t'est passé et puis on va continuer les informations mais gros l'autre problème il y a des bails qui pas de ficeler dès le départ parce que là aussi on signe net par exemple ça c'est de ficeler dès le départ on va pas ficeler après pour dire vous comprenez donc en réalité moi même proposition me lancer à s'allier que yo joindre que secteur voyer médiateur maintenant médiateur pas venir en conflit entre yo parce que yo gain un médiateur expert qui me considère comme moi habite, qui pour gérer tout ça. Et lui-même, il ne peut pas participer. Il y a un tri de bail qui vous fait, il ne peut pas entrer. Il était là comme habite. Mais, parlement choisit un monde, exécutif choisit un monde, opposition radicale a choisi un monde, opposition modérée a choisi, judiciaire, société civile, catholique, protestant, vaudou. Est-ce que je dis à chef d'État de bonne foi? Bon, problème de bonne foi, on a demandé que pour m'entrer dans un fort intérieur, FOR, un être humain. Mais, je ne peux pas faire ça. Seul bagaille, là, un chef d'État, avec constance, depuis qu'elle fait monter, dit qu'il veut le dialogue, qu'on y a arrêté une année environ, on peut ce moment ça pour démontrer que vraiment il veut le dialogue. Donc, moi, je recommandé que ce n'est pas consultation qu'il fait. Et il y a, Desmond Tutu a parlé de miracle de la solution négociée. Donc, ce n'est pas un mot pour nous jouer sur Jean Sodia, ce n'est pas question de les négociations. Après le dialogue national, ou bien Jean Noël dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, le grand congrès de l'entente inter-haïtienne. Si nous enclenchons ça pendant la période qu'il a, nous arrivons à de bonnes élections, et bon bagaille, nous avons un bon problème. Un problème de Haïti qui n'a quête de justice toute la journée. Nous n'avons pas même un objectif pour nous faire la justice. En nous, en dans dialogue là, mettons processus de vérité et réconciliation. Comme ça t'est fait en Afrique du Sud. Les gens qui te font bagaille, ils viennent confesser le crime, ils viennent confesser des autres qui te font. Nous fermons un tableau parce que la paix, c'est un bagaille extraordinaire. Et si nous pouvons avoir la paix à travers cette révolution pacifique qui s'appelle un dialogue national haïtien-haïtien ou un grand congrès de l'entente inter-haïtienne, je pense que pas de sacrifice. Nous pas fait. En fait, de dialogue, c'est SS. C'est sacrifice ou bien sang. Ou bien nous faisons sacrifice de ego, nous mettons ensemble, nous connaissons les Haïtiens, les enfants qui naissent dans ce pays depuis 1804, nous conseillons des troubles qui ne peuvent jamais résoudre. Nous chitons, nous résoudons, et puis nous partons à zéro. Ou bien nous prenons âme, et puis nous bouleversons le pays. Les gens mourent, boule tête, caoutchouc, alors que nous n'avons pas eu en 2015. 2015, son date, oui, anniversaire. C'est série invité ça yo qui t'est passé sous plateau rubrique tendance semaine ça. C'est là nous mettons un bout dans rubrique tendance hebdo. Nous casser rendez-vous à coup week-end prochain. Week-end prochain pour l'autre rubrique tendance hebdo. Mais pas oublier pendant semaine ça rubrique tendance côté nous allons recevoir divers monde qui fait parler de yon actualité. Bye bye tout le monde. Rendez-vous week-end prochain et avant d'aller net, nous souhaiter un très bon anniversaire à réalisateur émission ça. Jameson Louis Jean qui a fêté un nouveau printemps.